Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour vous parler de la caractéristique des extensions. Donc la question d'aujourd'hui c'est qu'est-ce que c'est que les cheveux Rémi R? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ça veut dire que les cheveux sont tous dans le même sens, que les cuticules, les écailles entre guillemets du cheveu sont dans la même direction. Et ça c'est très important quand vous devez choisir des extensions parce que c'est ça qui va garantir, et quand je dis garantir un minimum, qu'ils ne vont pas s'emmêler. Parce que vous quand vos cheveux poussent, bien sûr ça pousse dans la même direction, comme ça. Les écailles ils poussent dans la même direction, mais quand il s'agit d'extensions de cheveux avec les fournisseurs qui se trouvent au bout du monde, je dis n'importe quoi, que ce soit en Inde ou en Chine ou je ne sais où, ils arrivent à tricher et des fois ils nous font croire que c'est des Rémi, c'est-à-dire on croit que les cheveux forcément on les a récoltés. Quand je dis récoltés c'est la façon de parler, mais on pense que les cheveux ont été coupés dans le même sens et qu'après les cheveux forcément ils sont tous dans le même sens. Eh ben non, ils ont réussi à faire en sorte de récupérer des chutes de cheveux, donc à droite à gauche, donc ces chutes de cheveux qui sont donc plus tous dans le même sens. Et du coup ce qu'ils ont réussi à faire, à gruger le monde, c'est que ces cheveux là, pour éviter que les écailles, vu qu'ils sont plus dans le même sens, ça s'en mêle, ils ont réussi à les tremper dans des bains d'acide, ce qui fait que les bains d'acide ont rongé les écailles. Donc, vous avez déjà vu les pubs à la télé avec les cheveux, on voit les écailles. Donc, toutes les écailles qui sont un peu relevées, ça a été enlevé. Et du coup, on a l'impression, quand vous voyez les cheveux, ils ont l'air super brillants et super doux. Vous voyez, ces genres d'extensions que vous voyez, ça a l'air magnifique. Au bout de quelques semaines, ah, en fait, c'était de la grosse pipe, je dirais pas le mot, mais c'était, voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le cheveu, quand il a été trempé dans ses bains d'acide, eh ben, il est foutu en fait. Il a l'air très beau au départ, mais il ne va pas tenir dans le temps. Il va s'assécher très vite et il va quand même finir par s'emmêler. Donc, vous avez l'impression d'acheter un très beau cheveu dès le départ, mais en fait, ça ne tient pas le coup. Donc, je veux juste que ce soit une vidéo très rapide pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le cheveu Rémi. Pour moi, c'est une caractéristique très importante. Les cheveux doivent être dans le même sens. C'est très important pour avoir un cheveu de qualité, donc qui n'a pas été trempé dans des bains d'acide, et de deux, des cheveux qui ne s'en mêlent pas. Et ça, c'est important. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'était que les cheveux Rémi R, à quoi ça correspond. Ça s'écrit R-E-M-Y. Et il y a une marque d'ailleurs, une marque de cheveux qui s'appelle Rémi R. Ça n'a rien à voir avec la caractéristique, c'est juste le nom qu'ils ont pris et voilà, c'est tout. Mais Rémi R, ça veut tout simplement dire, en résumé, les cheveux sont dans le même sens. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!